Comment va, maman? Va bien, et toi? Oui, c'est vrai bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça, Koto? Mais je fais le cours de vacances, non? Hein? Des cours de vacances? Oui! Et comment je t'ai pas vu à l'école? Tu sais, ma mère m'a inscrite à une nouvelle école. À la Banon, je me sens tellement à l'aise! Donc, c'est vrai qu'on soit plus dans la même école? Oui! Et tu sais, nos mathématiques nous tapaient ces dernières-là, non? Les mathématiques! Maman, non, je sais bien faire les mathématiques. Et je suis sûre que non, je veux sortir première de la classe. Ah bon, Grace? Donc tu comprends déjà les mathématiques? Oui! Seulement à faire les cours de vacances là-bas, non, ça a augmenté mon niveau encore plus en mathématiques. Ah bon? Et le meilleur là-bas, non, c'est que non, on apprend à faire les cours de danse classique. On apprend à faire karaté. On apprend à faire le cours de chant. On apprend à faire la danse. Et le meilleur nom, c'est que nous, on apprend à parler chinois. Mec, de parler chinois. Et te parle chinois, tu vois. Je parle un peu. Ni hao, ni hao ma. Ça veut dire non, ça va. Attends, c'est quelque chose comme ça. Ariza Academy. Ariza Academy? Oui. C'est situé où, pardon, dis-moi. C'est situé à Longwe sur 300 mètres. Après, c'est à TV Bar. C'est ça, TV Bar. Non. Tu vas voir une grande banderole comme ça. Non. On a écrit Ariza Academy. Ah, ok. En tout cas, moi, je parle, moi. Attends. Gloria, ta mère t'a déjà inscrit. Pas encore. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je parle, moi, bah. Mais mon bébé, pourquoi tu es fâché? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Maman, toi toujours m'inscris dans la même école. C'est quelle question ça encore? Mais maman, réponds, toi toujours m'inscris dans la même école. Mais bien sûr que oui, Gloria, tu as commencé là-bas, non? Tu dois finir là-bas. Mais maman, il ne veut pas. Pourquoi? Maman, tu as ma meilleure amie Grace, non? Oui. Elle a aussi changé d'école. Attends. Donc si je comprends bien, c'est parce que Grace ne fréquente plus là-bas que toi aussi tu veux changer. Alors va te changer, oui, arrive. Maman, s'il te plaît. Maman, elle m'a dit que non, l'école n'est bien jusqu'à... C'est que c'est bien jusqu'à... Ma grand-mère Grace, elle m'a dit que c'est bien que là-bas, non. On apprend à faire la danse classique, la danse traditionnelle. On apprend à faire le karaté. Ah bon? Oui, maman, que ouais, yeah. Maman, le meilleur dans tout ça, non, c'est qu'on apprend à parler chinois. Parler chinois? Oui, maman. Ici, à Douala? Oui, maman. Maman, je parle un peu comme ma camarade Grace a parlé. Mm-hmm. Ni hao ma. T'avais dit quoi? Comment ça va? Et maman, tu vois comment nous deux ne comprenons pas les mathématiques là, oui, non? Oui, c'est que votre bête noire, c'était les mathématiques. Voilà. Mais là, non, seulement faire les cours de vacances. Son niveau en mathématiques, non, c'est comme ça. Donc, elle fait déjà les cours de vacances dans la nouvelle école là. Oui, maman. Waouh! Et c'est quelle école? Elle a dit que c'est Ariza Academy. Ariza Academy? Oui, maman. Waouh, même le nom. Ok. C'est situé où? Valentin, c'est à Tiviba. Ok, bon. Je tape d'aller chez ma copine. On va d'abord aller à Ariza Academy, le temps pour moi de me renseigner et puis on ira chez ma copine ensemble, d'accord? Ok, maman. Ok, on va aller là-bas. Allons-y. Thank you.
Bonsoir madame, bienvenue à Risa Academy. Merci. Vous en ferez. Madame, ma fille m'a parlé de cet établissement scolaire, alors je suis venue pour quelques renseignements. À Risa, c'est une école d'excellence, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut sur cette fiche. Tantine. Oui ma chérie. Ce sont les classes maternelles là-bas. Oui ma chérie, ce sont les classes maternelles. Oui, mais les caméras de surveillance. Oui ma chérie. Généralement ici dans notre école, ce qui nous intéresse le plus, c'est déjà la sécurité de l'enfant. Waouh. Wow. Et Tantine, j'ai aussi appris qu'on a appris le karaté, à parler chinois et à faire la danse classique. Oui, ici à Risa, généralement avec les APPS, nous faisons la langue chinoise. Nous avons un professeur de chinois qui est là généralement pour les mercredis pour la langue chinoise. Waouh. Nous avons un professeur de peinture qui est là pour vous montrer comment ça se passe avec la peinture. Nous avons également la danse, comme je sais très bien que tu aimes la danse, il y a un professeur qui est là pour la danse traditionnelle et classique. Alors, généralement pour les mercredis, les enfants s'occupent à un moment donné de la journée. Les professionnels sont là pour ça. Je suis contente de voir la danse classique. Voilà, donc je dis qu'elle ne s'est pas trompée. Elle est dans l'école publique. Bon voilà, je pourrais garder ceci. Bien sûr. Je reviendrai très prochainement. Bon retour à vous. D'accord. Et à très merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir madame. Nous vous attendons. Je vais m'inscrire à Risa. Mais bien sûr. Non, mais chérie. Ma fille, tu sais quoi? Il n'y a pas mieux qu'à Risa. Ici, c'est moi. Coucou à vous, mes glorieux et mes glorieuses. Ici, Gloria qui vous aime beaucoup. Je suis heureuse de vous informer que désormais, je vais fréquenter au groupe scolaire bilingue Risa Academy. Je vous attends massivement. Demandez à maman de venir vous inscrire à Risa Academy parce que là, c'est vraiment meilleur et c'est parfait. À Risa, on apprend à faire le karaté. On apprend à faire le karaté, à faire la danse classique et c'est le meilleur alors. Le meilleur. On apprend à parler chinois. Ni hao. Ni hao ma. C'est vraiment wow, j'adore. Je vous attends en septembre. Coucou à vous, mes glorieux et mes glorieuses. Ici Gloria qui vous aime beaucoup. Je suis heureuse de vous informer que désormais, je vais fréquenter au groupe scolaire bilingue Risa Academy. Alors, je vous attends massivement à la rentrée. Demandez à maman de venir vous inscrire à Risa Academy parce que là, c'est vraiment meilleur et c'est parfait. Alors, et en plus, on apprend à faire le karaté. On apprend à faire le karaté. Oui, on fait cours de musique, oui, il y a presque tout, c'est vraiment waouh. Danse classique et c'est le meilleur alors. Le meilleur, on apprend à parler chinois. Ni hao, ni hao ma. C'est vraiment waouh, j'adore. Je vous attends en septembre, Si tu es en plein cœur de Lobessou, dans l'arrondissement de Douala 5e, à 300 mètres de l'antenne CRTV, le groupe scolaire bilingue Risa Académique est un établissement scolaire au service de nos enfants. Doté d'outils modernes de formation qui permettent aux enfants de mieux développer toute l'attitude et de créer en eux l'esprit d'éveil, de créativité et de favoriser leur épanouissement. Le groupe scolaire bilingue Risa Académique est également doté d'une crèche. Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance qui veilleront à leur épanouissement et leur sécurité. Le bilinguisme est réel au groupe scolaire bilingue Risa Académique et l'apprentissage du mandarin qui est la langue chinoise est notre particularité. Le groupe scolaire bilingue Risa propose d'autres activités aux élèves telles que les arts plastiques, le développement personnel, les visites d'entreprise. Risa Académique, c'est aussi un espace sécurisé 24 heures sur 24 avec les moyens de haute technologie, en plus des vigiles, des caméras de surveillance qui permettent à la fondatrice de suivre tous les mouvements de l'établissement à travers son téléphone portable, même à distance. La rentrée académique 2021-2022 est fixée au 6 septembre 2021 à 7h. Contactez-nous au 698
88 90 90 00, plus 237 242 00 96 44. Groupe scolaire bilingue Arisa Académique, un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne.